what time it is. You know what time it is. It's time to gossip, Alicia. Hey, up in here. Bon, la vidéo d'aujourd'hui va être assez rapide, sachant qu'en plus j'ai sport après, donc je dois pas oublier de mettre un soutien-gorge plutôt qu'autre chose. Mais ouais, donc je vais faire rapidement. Peut-être que vous n'êtes pas passé à côté de cette news là, mais en fait on va dire que là la famille Knowles risque d'être dans la sauce à cause des mauvaises actions et intentions du neveu de Beyoncé ou du fils de sa sœur Solange, hein, donc ça s'appelle Jules. Et pas Jewels ou Wells, non, c'est Jules. Et donc voilà pourquoi. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. En gros, tout récemment, il y a des photos et une vidéo, mais moi j'ai vu qu'une capture, hein, j'ai pas été chercher non plus, je suis pas trop pédophile hein, dans l'âme. En fait, de Jules, donc le fils de Solange, et Sky Jackson, l'actrice de Disney Channel, qui aurait été intime. Donc en fait, il y a une photo où elle est sur ses épaules et tout. Bon, on se doute bien que deux jeunes gens seuls dans une chambre, à moitié à poil, voilà. Hein. Je veux pas faire. C'est possible que non, hein, mais bon, quand même. Et il y a aussi. Moi, la capture que j'ai vue, c'est en fait Sky Jackson qui est allongée sur le dos avec une tête comme ça. Et en train de se faire tripoter là. Mais à ce moment-là, il y a la vidéo qui tourne. Et bah, on sait d'où sort ces leaks en fait. Ça vient directement de Jules, du coup, qui aurait leaké, on va dire de manière volontaire, du coup, ces documents-là, etc. Parce que en fait, le monsieur serait en train de rager, enfin le jeune homme serait en train de rager parce que Sky Jackson l'aurait trompé. Et du coup, il a pour but de bousiller sa vie et donc de balancer la sextape, enfin la tape et les vidéos. Et en fait, il aurait envoyé des DM et des messages à plein de médias pour, en mode, tenez, je vous envoie la vidéo et les photos et tout pour Sky Jackson et tout ça. Le souci, c'est que la plupart des médias n'ont pas voulu partager ça pour deux raisons. La première, c'est qu'ils sont mineurs, les deux, au moment des faits. Et ça fait que bah c'est pas possible de partager ça. C'est voilà, sinon, ils se font attaquer en justice. Et il y a aussi le fait que, bah on sait très bien, c'est le neveu et de Madame Beyoncé quand même. Et c'est le fils de Solange, du coup, ça serait beaucoup, beaucoup d'histoires. Et puis, Sky Jackson, c'est pas non plus personne. Du coup, voilà, mais c'est surtout aussi le fait qu'ils soient mineurs. Du coup, ils ont évité, tu vois, les médias de partager ça, etc. Mais tout ce que je vous dis, en fait, j'avoue, là, j'utilise le aurait, parce qu'il faut quand même penser qu'à la base, quand je fais des thèmes du gossip, c'est quand même des rumeurs. Mais là, bah, il y a les preuves, en fait, voilà. Et de toute façon, il s'en est pas caché. Ah. Il a carrément dit, ouais, qu'en gros, Sky Jackson avait un ego de ouf et qu'il faut qu'elle redescende sur Terre et nanana. Enfin, en gros, on sent que le petit, il est amer de la situation. Vraiment, je crois qu'elle lui a brisé le cœur. Mais les faits remonteraient à plus d'un an parce que je crois qu'actuellement, elle a 18 ans et au moment des faits, c'était 17 ans et lui en avait 15 et là, il en a maintenant 16. Du coup, voilà, après, j'ai vu beaucoup de polémiques parce que, vous savez, aux États-Unis, vu que maintenant, elle est. Ils ont plusieurs palier d'âge légaux en fait aux États-Unis, il y a 16, il y a 18 et à 21, nous c'est 18 et fin, eux c'est 16, 18 et 21, tu vois, ils ont différents paliers quoi. Et du coup, par rapport à tout ce qui est sexuel, relations, etc., c'est 18 ans et ça fait que bah quand la news s'est su, ils ont dit ouah, mais c'est à dire que elle a été majeure et lui mineur, elle a pas le droit et tout, mais non, au moment des faits, elle avait 17, lui 15. Et du coup, voilà, après, ça fait des polémiques en disant, mais les gens, ils sont choqués hein, qu'un mec de 16 ans et une meuf de 18 ont des relations, mais quand c'est genre 45-20, ça choque moins parce que tous les deux sont légaux, alors que, enfin, voilà, bref, il y a eu plein de débats, mais je vais pas m'étaler là-dessus. Mais c'est vrai que ça m'a un peu choquée, sachant les retombées qu'il peut avoir derrière, en fait, parce que, clairement, Sky Jackson, elle blague pas. Je me rappelle de la vidéo que je vous avais fait où elle était en beef avec Bad Baby. Et elle blague pas en fait, c'est justice directe, hein. C'est court direct, genre rien à foutre, restraining order, enfin en gros, pas le droit, comment tu dis, défense d'approcher et tout, nanana, elle c'est direct, donc en gros, là, lui, elle peut porter plainte contre lui pour harcèlement, pour intimidation, pour bah, trucs de pornographie, en plus ils sont considérés comme mineurs sur les vidéos, donc c'est child pornographie, enfin en gros, là, il risque gros, et Sky Jackson, comme je vous dis, ne blague pas.
Et bah en fait, ça risque d'entacher vraiment un petit peu la famille parfaite que représentent les Knowles en fait. Enfin, je parle de Beyoncé, de Solange, etc. Enfin, je dis parfaite entre guillemets parce que bon voilà, on sait tout ce que Jay-Z a déjà trompé Beyoncé, que bah voilà, le père de Beyoncé, il est un petit peu bancalos. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on sait, vous voyez ce que je veux dire, mais... Quand on pense Beyoncé Solange, on pense grande dame, même leur mère Tina, on pense grande dame respectable, qui éduque bien ses enfants, qui c'est ça. Et là, en fait, t'as le petit Jules qui paraît être le vrai fuckboy rageux d'internet, qui se prend pas pour de la merde. Même quand je regardais ses vidéos, ses Insta stories là où fait comme ça, genre ok, on a compris, t'as un light skin aux yeux bleus, boy, garde ça pour TikTok, je sais pas, mais. Genre dans le sens où, voilà, après, et aussi, c'est le délire d'aller dans les DM des médias et d'aller dans les DM des gens, en fait. Genre, limite, il y avait des gens qui lui posaient la question, ouais, c'est vrai, Sky Jackson et tout. Et lui disait, ouais, c'est vrai, m'a trompé. Genre, en mode, le mec, fallait vraiment qu'il se libère du poids. Et pourquoi aussi cette news a fait un big bang, c'est que Jules, bah, dans la culture hip-hop, on l'a vu naître, en fait. Solange a été enceinte de lui dans le clip Soldier des Destiny's Child. Gotta stay hood. I'm looking for a better street. If you look at me, I need a soldier. Voilà, c'est là, vous vous rappelez, hein? What are you, you know me, that on me. What are you, I need my soldier up in here. I need my soldier. Bon, voilà, vous avez compris. Et du coup, on l'a vu grandir et c'est vrai qu'il y a toute cette image un peu de la famille Knowles, très discrète, mais aussi très respectable, tatati, tatata, tatata. Et là, en fait, lui, il est en train de tout fucked up, quoi. Voilà. Clairement, il est en train de tout fucked up. Et ça peut emmener la famille Knowles dans les soucis de justice, du coup. Dans vraiment les soucis de justice. Donc, je pense que, bon, les deux familles ont dû s'appeler. Ils ont dû trouver un arrangement, etc., etc. Je pense que Solange, elle a bien dû lui chicoter les fesses à Jules. Vu comment elle a chicoté les fesses de Jay-Z dans l'élévateur, là, dans l'ascenseur. J'espère. Mais c'est vrai que c'est un petit peu... pas choqué, mais tout le monde s'est dit « Ah, on pensait pas là, c'est comment ?» Donc voilà, je vous tiendrai au courant pour savoir s'il se passe quelque chose, s'il y a des retombées, quelque chose. Si entre-temps que je monte la vidéo, il y a Sky Jackson qui s'est exprimé, je vous tiendrai au courant. Et je vais arrêter de mettre... Je vous jure, cette histoire de faux piercing, je vais jamais m'y faire. J'essaye, je crois que je vais craquer et que je vais vraiment me percer le nez. Voilà, je vais craquer, j'en ai marre. Le problème, c'est que je crois qu'il faut mettre un moment avant de mettre un anneau. Tu peux pas mettre un anneau tout de suite. Et moi, si je me perce le nez, c'est pour avoir un anneau. Mais je crois que j'ai craqué là. J'en veux plus. En fait, ça arrête pas de tomber. Je sais pas, ça me saoule. Les filles qui ont des piercings au nez, dites-moi comment votre expérience s'est passée, si vous avez de marques, si vous avez un gros trou ou quelque chose comme ça, parce que franchement, ça me saoule. J'ai vraiment envie de me percer pour de vrai, mais c'est comme un trou dans ton visage à vie. Je vous tiens au courant de ce qui se passe par la suite. Si jamais, entre-temps, au moment où je fais le montage, Sky Jackson s'est exprimé, bah, je vous le ferai savoir, je vous rajouterai, vous savez, quand je vous rajoute un petit encart, etc. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Mais moi, franchement, là, le petit Jules, ah, on en... Après, si, elle l'a vraiment trompé, ok, t'as le droit d'avoir du chagrin, de l'insulter même si tu veux et tout, mais là, c'est là, ça fait vraiment partager, d'aller voir les médias, de leak des sextapes, de vouloir bousiller sa vie et tout, vraiment, en gros, ça se voit qu'en fait, t'as été élevé avec des privilèges et que t'as pas l'habitude qu'on te dise non, en fait, tu vois, ou de ne pas avoir ce que tu veux, ou franchement, je sais pas, ou d'être élevé comme un prince, ou... ah, non, franchement, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, moi, je vais être en retard pour le sport, donc j'y vais. Et voilà, la vidéo sur les strippers sort cette semaine. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Peace!